Alors, comment on fait pour changer la paille de verre sans toucher la paille, parce que la personne est très maniaque et son hygiène, elle ne veut pas qu'on touche sa paille. Eh bien, il suffit tout simplement de dire à la paille se soulever et d'aller dans le verre sans toucher la paille. C'est aussi simple que ça. Ah zut, je l'ai touché. Oh mince. Ah.